Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve en solo pour un skill test. Parce que je sais que vous aimez bien quand je fais des skill tests en solo. Donc on n'est pas avec la salle, on est en solo. Alors, on est parti, let's go, to the party. Alors c'est vrai que dans les commentaires de la dernière vidéo, il y en a beaucoup qui m'avaient dit, en fait j'avais fait un skill test, j'avais pas mis ma tête. Alors pourquoi j'ai pas mis ma tête? Parce que des fois, j'aime pas mettre ma tête. Parce que voilà, j'ai pas très envie des fois, mais bon, enfin bref. Du coup, j'avais pas mis ma tête et bah en fait tout le monde a dit dans les commentaires ouais, on sait que c'est pas toi qui joue, que c'est la salle qui joue et tout. Alors que je vous jure que les gars, c'était vraiment moi qui jouais et c'est pas la salle du tout. Et j'ai même pour vous dire, j'ai même pas entouré le parcours, même pas testé avant. Tellement bah, en fait pour moi le ski test c'était assez easy. Et c'est vrai que j'aime bien me lancer des défis comme ça en ce moment, de temps en temps, comme celui-là là par exemple, qui me fait tourner plutôt de la tête. Là je vais pas vous mentir, j'ai la tête qui tourne. Abusé. D'ailleurs, dans les commentaires, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui me demandent, même sur Twitter, etc., quand est-ce que je vais reprendre les lives. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop eu le temps de faire des lives et tout. Tout simplement parce que le soir, en fait, je suis pas du tout dispo en ce moment les soirs. C'est juste qu'en fait, j'ai un truc à faire avec la salle les soirs en ce moment. Donc, avec la salle, on n'est pas du tout dispo. Il y a même des fois, on fait même pas du tout, comme aujourd'hui par exemple. On en a fait solo chacun de notre côté. D'ailleurs, je ne sais même pas si la salle en a sorti une. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, en gros, on fait des trucs de la salle. Mais vous inquiétez pas, ça va reprendre très très vite. D'ailleurs, je vais reprendre les concepts que vous aimez bien. Vous savez, les modes un peu. Je vole la voiture de Thanos, etc. Je vole la voiture de Superman, Spider-Man. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont redemandé cette série. Et qui, d'ailleurs, au passage, eh bien. C'est vrai que j'avais pas fait tous les super héros. Il y en avait beaucoup que j'ai pas fait. J'ai pas fait Venom, j'ai pas fait. C'est vrai qu'il y en a plein que j'ai pas fait en fait. Hein. Thanos, je l'ai pas fait non plus, parce que c'est vrai que je l'ai pas fait. Non, Venom, je l'ai fait. C'est Black Panther que j'ai pas fait. Il y en a plein que j'ai pas fait en vrai. Il y en a plein que j'ai pas fait. Du coup, je le referai cette série. Je reprendrai cette série. Il y a aussi d'autres séries qui vont reprendre. Je vais peut-être aussi faire une série quand GTA 5 PS5 sortira, les gars. C'est ça qu'il faut faire? Ouais. Du coup, quand GTA 5 PS5 sortira, je referai une série dans les commentaires si ça vous tente, où je recommande GTA 5 sur PS5. Parce que c'est vrai qu'en fait, pour ceux qui ont pas vu, en gros, GTA 5 PS5, les gars, et bien tout simplement, ça a été complètement. Ça va être complètement différent. Parce qu'en fait, on pourra même plus carrément maintenant passer par mode histoire pour lancer le GTA 5 Online. GTA Online, pardon. Ça deviendra du coup. Un truc un peu solo, et on pourra aussi choisir en fait quand on lance le jeu, et eh bien choisir un pack. En gros, tu pourras choisir soit entre contrebande, soit choisir le sécuro, etc. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Alors, bon, du coup, là on est parti sur un petit parcourito en mode skill test. Alors, ça va être vraiment du skill test niveau débutant, hein, parce que par exemple, là. Un niveau plus compliqué, genre un niveau pro, je dirais, ou du moins semi-pro ou médium, bah le truc, le tuyau serait pas aussi gros, vous voyez, parce que la panto passe dans le truc, enfin le tuyau serait largement plus fin, alors que là le tuyau est plus gros, donc c'est vrai que c'est plutôt easy, hein, on peut se permettre d'accélérer, on peut se permettre d'aller vite, on peut même se permettre de le faire à une main par exemple, genre là si je peux le faire à une main quoi, tu vois, alors que en mode, tu vois, je peux faire ça, tu vois. Alors que non, normalement, en vrai, tu peux pas le faire à une main hein, quand c'est fin. Alors, bon. Alors, je suis sûr que je peux le faire en vrai, à une main. Tu vois, tu peux te permettre de sauter comme ça et tout. C'est stylé en vrai. Bon, pour l'instant, le parcours est plutôt easy. On a 3 minutes 38. Rien de compliqué, on n'est pas tombé. J'ai fait un perfect pour l'instant. Et vous savez quoi, je vais essayer de faire un perfect. Faut juste que j'analyse bien les points. Alors. Non, je pensais pas qu'il y avait une plateforme aussi grande. Bon, on se compte que ça compte pas, parce que c'est vrai que j'ai pas vu que c'était au grand en fait. Parce que en fait, quand je regardais comme ça, je pensais que c'était petit. Parce que habituellement, voilà, c'est ce que je dis encore. Je suis tellement habitué à faire des trucs plus compliqués que ça que pour moi, ça normalement c'est pas aussi grand. Genre, c'est un trait, vous voyez, normalement ça se fait sur un trait, tu vois. Genre c'est seulement une ligne, alors que là en fait c'est tellement grand. Donc ouais.
On compare. Donc pour l'instant, on dit que c'est perfect. C'est juste que là, j'ai fait. Je pensais pas que c'était aussi. Aussi fin. Voilà. Alors ici, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui peuvent prendre peur. Mais il faut vraiment pas avoir peur d'aller dans le vide. Regardez, là, je suis complètement dans le vide. Et il faut pas avoir peur quand le véhicule tombe ou quand le véhicule a l'impression. Enfin, vous avez l'impression que le véhicule tombe. Ne vous inquiétez pas, le véhicule va pas tomber. C'est comme une route. Vous voyez, parce que je sais que vous, par exemple, il y en a beaucoup qui le font, genre comme ça, vous voyez? Il y en a beaucoup qui passent comme ça. Alors que comme ça, non. En vrai, tu passes comme ça, voilà, tu vas vite. Fais comme si c'était une route, comme si c'était un petit tournant, quoi. Alors, on est où là? Il faut aller ici. Pour l'instant, c'est imperfect, on n'est pas tombé. On est tombé une fois, mais ça compte pas parce que on n'avait pas bien analysé le truc. Mais là, pour l'instant. Le skill test se passe plutôt bien. On est à 5 minutes 33. Donc du coup les lives les gars, je vais essayer, je pense, que je vais reprendre les lives lundi prochain. Donc alors je suis en train d'hésiter à changer de personnage ou pas. Est-ce que je vais reprendre le perso avec Amber et tout, mon perso un peu couple. Je sais pas trop, j'ai peut-être changé, je vais voir. Est-ce que je change de serveur ou pas, ça je sais pas non plus. Mais en tout cas, pour le moment, ça se passe plutôt bien. On est carré dans l'axe. Ok. Pour l'instant, on n'est pas tombé, les gars. On va essayer de faire moins de 8 minutes. Je sais pas, on a combien de points. On est à 23 sur 26. Ah, on peut faire moins de 8 minutes, ouais. Il y a moyen. Si je fais pas n'importe. Il y a moyen. En tout cas, pour l'instant, je suis pas tombé. Ok, c'est vraiment perfect. Ok, bon, après, c'est vrai, c'est comme compliqué, c'est quand même compliqué, pardon, de tomber dans ce genre de course. Hein. Faut pas se mentir que c'est assez quand même easy. Je dirais même easy, busy, easy boy. Ok. On va freiner parce que c'est vrai que là, parfois, on a tellement de vitesse que le véhicule. Ah bah on est au point final ou je rêve là? D'accord, on est au point final les gars. Et je crois qu'on va faire moins de 8 minutes. Hein. Attendez. Il me reste 50 secondes. Allez, la Panto qui veut pas accélérer. Il y a moyen. Ouais, il y a moyen qu'on fasse moins de 30 secondes les gars. On a 7 minutes 22, il nous reste 40, quasiment 35 secondes. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fini ce parcours en 8 minutes, c'est abusé. C'était vraiment simple. Et du coup, pour le coup, c'est vraiment moi qui joue. Bon après, honnêtement, il n'y avait rien de compliqué. Je vous mettrai bien de la cour. Oh, je pensais que j'ai assez d'élan ou pas? Ouais, c'est bon, j'ai assez d'élan. Eh bien, on a fait 8 minutes, hein, pas mal. On va faire comme à 7 minutes 50 et quelques. Ouais, 7 minutes 53. Pour ce petit skill test, alors c'est vraiment niveau. Nous, ben là, c'est du niveau débutant, honnêtement. Je pense que tout le monde peut le faire. Alors, si vous êtes débutant, vous mettrez peut-être un peu plus de temps que moi. Parce que là, vraiment, moi, je trouve que j'ai mis pas beaucoup de temps. Alors, pourtant, je suis tombé une fois, j'aurais pu faire 7 minutes 30, je pense. Voire 7 minutes. En tout cas, abonnez-vous, pouce bleu. Ciao.